Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour nous porter deuxième série émission ça pour toujours n'a fait ensemble avec une équipe jeune haïtien qui yo même nan niveau pa yo impliqué yo nan yon façon ou bien yon l'autre nan lutte n'a mené contre COVID-19 lan qui pou kounye la n'a parlé ya nan pays d'Haïti déjà fait 72 cas selon dernière information autorité yo bay nan la presse et ta genyen 5 moun ki mouri, ta genyen 2 parmi moun sa yo ki geri. Nou konnen se vre yo minimize kapasite ou anko travay jen yo kapab fè nan lut sa. Se pou sa nou pèmèt aske a de jen ki ap travay nan lide pou kombat pandemi COVID-19 lan. Di yo menm ki sa y ap fè, men tout pou insite lòt jèn a pran de inisiatif pou lanse yo nan batay kont COVID-19 lan. Pou emisyon sa arrive posib, se gras avèk tout ekip lan. Se vreman tout ekip lan ki mobilize, men nan prezantasyon an pou jodi an genyen zanmi nou, kolaboratè nou, Moline Mackinson, epi genyen mwen menm Jocelyn Pierre. Sou lig nan nou genye ansanm avèk nou Kevin Raphael. Fòk nou di Moline, ou la Moline? Oui, voilà. Voilà, Kevin Raphael ki li menm se etudyan nan Université l'État, pi precizèman nan Fakulté Médecine et de Pharmacie FMP. Men nou genye tou ansanm avèk nou Sterling Vertilus ki li menm tou ap etudye nan menm et faculté ça en dans même université ça qui c'est université l'état et nous gagnons ensemble avec nous tout Daniel Toussaint qui lui-même dans niveau PAL c'est directeur communication responsable et relations publiques dans Alada c'est ça Daniel et probablement si c'est pas ça et Lada voilà pardon. Donc asoya nous pralwe ensemble avec yo ki sa yo même yo a fait nan niveau pa yo pour rive lutter contre COVID-19 lan. Moline Mackinson, ki sa wap ajoute justement avant ou lancer première question avec panéliste nou yo ki permet nou gagner panel ça après-midi. Bon, tout d'abord m'a dit encore une fois bienvenue avec les panélistes nou yo. Moi sou ki nou pral bat pou ensemble nou parler de quoi s'éviter sur question COVID-19 ça. Qui a passé ville Montland, spécialement Haïti, actuellement, qui connaît sa relève pandémie. Alors, première question. Alors, Moline, oui, justement, avant ou lancer première question, on a demandé avec tout le monde qui rejoint nous sur channel YouTube, là, qui c'est panel virtuel, yo capable non seulement abonner si yo arrivé pour la première fois, mais yo capable commenter, liker, partager émission ça, surtout avec des jeunes, avec autorité, yo, avec population, hein, pour yo capable connait vraiment qui jan jeune ça, yo même, yo impliqué, yo, dans lutte contre COVID-19, là. Moline, la première question. Bon, première question que moi, t'as me posé avec les intervenants, yo, moi, t'as me demandé, yo, comment yo comprennent disons, coronavirus en Haïti. T'as bien aimé que nous commençons avec quoi, c'est une minute. Voilà, c'est Sterling Vertilus. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jocelyn, bonsoir Moline, bonsoir à toute l'autre panélistio. C'est un plaisir pour moi avec ce jeudi, là. Ok, question COVID-19, là, en soi. Maintenant, même je nous connais là, c'est une pandémie qui a fait ravage dans le monde, bien sûr. Le fait c'est que nous-mêmes en Haïti, nous avons autant de médias culture là qu'à nous, même j'en ai dit, hein, pour nous minimiser les bagailles. COVID-19, là, médias, c'est une épée de Damoclès qui campait sous tête nous, et que nous-mêmes, nous minimiser, nous pas même pas, ouais, vraiment, qui danger ça qui a piété nous en Haïti. Et le pire c'est que, même en monotépate qui était cas intellectuel, supposé intellectuel, qui t'a carré en idée, mais qui est pas aussi ajouté, en idée, m'cadre scientifique, cette question-là, même des fois, on voit que, des fois, on a induit l'autre monde qui, m'a dit, qui a moins de connaissances, tout ça, en erreur. Donc, en gros, COVID-19, là, en soi, c'est une épidémie, nous t'es cas, mais j'ai cette nuit ensemble pour nous gérer. Mais le fait que, nous avons une sorte de distanciation sociale. Chaque monde essaye
pas une explication avec COVID-19 là. Donc ça vient de faire que nous vivons en mélimélo perpétuel. Et selon moi-même, qui grand défi nous pour le moment avec question COVID-19 ça, c'est pour nous essayer garder, pour nous connaître qui jeunes nous a fait, pour nous mettre dit combattre les mêmes ensemble. Parce que sinon, moi pense que j'étais assis sous tête noire, les gars, c'est nous en soi. Et tout le monde, que ce soit intellectuel, que ce soit mon, mais dit, ou c'est-à-dire, ça, c'est pas qu'on a rien de maladie, mais dit, on a tout le monde a subi conséquences COVID-19 là, sinon pas mis qu'ils étaient nous ensemble. Donc, pour moi, COVID-19 là, en Haïti, mais dit, c'est un petit gros défi que nous gagnons pour nous lever dans l'année 2016. Voilà. En gros, c'est ça. Daniel Toussaint. Bonsoir à tous. Alors, moi, je pense que maladie COVID-19, ça, pandémie COVID-19, ça, dans le pays, et j'ai un collègue, moi, c'est pas une chose, là, son défi, mais en même temps, tout, c'est une opportunité, pour nous, haïtiens, pour nous, on est, qui côté l'Union fait la France, là, et tout, bon, oui. Parce que, et, dans la situation côté nous, là, dans la situation économique, société économique qui nous est là, lorsque nous avons gagné les gens, pandémie ça, malgré des pays qui sont bien plus avancés que nous-mêmes, et si nous partirons pour nous, il est clair que pas aucune quantité d'aide extérieure qui est suffisante pour éviter un hécatombe en Haïti. C'est clair. C'est uniquement une québécoise, une sous des épaules à l'autre, une courée l'autre, sensibilisation maximum, c'est là pour nous esprit haïtien qui ferait accepter tout le monde. C'est la seule chance que nous gagnons selon moi-même pour nous éviter le pire en Haïti. Kevin Raphaël. Oui, allô, bonsoir. C'est Kevin Raphaël, je suis un médecin. Bon, moi-même, toujours sur la même ligne avec camarade qui se parle, qui fait que son gros défi, évidemment. Moi-même, pas vu ton pessimisme, même pas que nous avons déjà que c'est une prévention. Parce que, on ne va pas dire qu'on a une capacité à différents pays qui vont gérer le coronavirus. Genre, Daniel Toussaint de l'Italia, nous avons dans différents pays, j'ai eu des difficultés pour gérer plus maladie. Parce que, qui problème qu'on a, c'est pas mon qui est infecté, mais c'est la capacité de l'hôpital pour recevoir mon travail pour traiter. Il y en a ici, bon. Moi, c'est nous-mêmes, nous connaissons notre niveau comme c'est structure sanitaire noire. Donc, moi-même, parce que, dès qu'il l'a, c'était un premier cas, il était qu'à m'impliquer, je viens d'être de sensibilisation, mais ça l'a arrivé. Là, on a entré dans la relève de transmission communautaire. Ça veut dire, je sens son bail qui est là. On vient de pas qu'on va prendre, on va prendre la caisse pour exposer, parce que, même en gros, c'est ça. Même pas ce que nous avons contraint déjà, qu'on a essayé de minimiser le plus que possible l'impact ça a été. Alors, nous-mêmes, qui ces jeunes qui surtout impliquent nous, qui sont nous-mêmes nous déjà lancé nous, qui j'en habilité pour nous arriver à combattre COVID-19 là, j'en nous dit là, qui représentait un défi par rapport avec toute difficulté nous gagnons yo. Moi-même avec Raphaël, nous c'est des collègues, bien sûr, nous n'avons même faculté, mais nous essayons de mettre un projet, ce qui est ensemble. Un projet, ça était là depuis avant COVID-19, qui vient sous nous en Haïti. C'était depuis en décembre, nous étions là seul. C'était un certain info. En fait, l'info, c'est qui s'allie, c'est une plateforme d'information qui devrait n'emporter toutes les informations sur santé par la population. Donc, c'est pas seulement même avec Raphaël qui la donne, mais il y a d'autres étudiants en médecine, en psychologie, et puis nous avons des designers en informatique. Donc, nous, toutes nos têtes, nous, ensemble, pour nous, que ce soit formé et puis informé la population. Sauf que, avec, et pareil qu'on a, des signes en Haïti, donc, il faut corriger nos mois, mais, là, comme si j'ai décidé, nous venons à une sorte de désinformation, ou encore de mésinformation de population. C'est qui ça? Chaque fois qu'on a des débats d'informations qui ont joint, il n'y a pas même plus de connexion de sociétés qui ont joint, il n'y a pas même plus de connexion qui côté, évidemment que c'est sur un site international qui ont joint, et puis ils ont juste fini, c'est à tout à fait depuis la ville. Donc, nous-mêmes qui s'en ont été fait, nous pouvons nous gommer côté vague d'informations qui ont donné en mélimélo, et puis éviter qu'il faut qu'on ait cette population haïtienne. Nous essayons d'agencer pour nous spécifiquement pour Corona. Genre comme si nous essayons d'aller dans tout ce qui a et puis vérifier l'évolution de recherche, parce qu'il faut que nous connaissions faire des recherches sur des vaccins, des médicaments et autres. Donc nous essayons d'aller toujours aller sur ce qui a et puis garder l'évolution de recherche, et puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui tombe et qui est fiable, nous mettons à la disposition de la population.
Mais nous pas traiter là tout, nous t'ai essayé en varier information parce que à nous que à longueur de journée, c'est comme si mon ali en confinement, il était là quand il doit appeler de parler du corona. Alors c'est on même changer le stress, c'est mon ami. C'est ça qui fait nous toujours continuer avec d'autres rubriques. Il y a des rubriques de sexualité, de sensibilisation. Donc, dans la rubrique ça, nous essayons à la fois divertir les gens et tout informer tout sur des problèmes sanitaires, mais c'est de manière divertissante. Nous n'avons pas vraiment connu que c'est informé ou juste pas informé, mais la divertir. Et puis, c'est après ça, la petite ah, nous sommes dit, on dit qu'on ne bagaille, moi, je prends la tête. Donc, en gros, c'est ça, nous essayons d'œuvrer dans l'information, parce que nous pensons que demain que la population est beaucoup plus informée, c'est pilier de prévention que lié. Donc, la vie moins à risque pour l'hydrater, maladie. D'ailleurs, même Jean-Raphaël Petit, là, n'ont pas vraiment qu'à faire même genre avec l'autre pays, ou à construire l'hôpital, ou à autre, nous beaucoup vraiment, et que bon, par contre, nous vraiment des moyens pour ça. Donc, tout ça, tout ce qu'on joue pour le moment, c'est sous prévention, et c'est tout ça, en fait, c'est lui-même qui s'y joue. Et c'est tout ça, nous-mêmes, en tant que jeunes, nous essayons en âge, vraiment. Donc, en gros, c'est ça. Madame, vraiment souhaiter nous bref dans question yo parce que vraiment et le temps il commence à faire nous la guerre et puis nous fait commencer avec difficultés techniques nous te gagné yo. Kevin nous t'avait gagné impression ou bien intervention sur même question ça qui gens ou même habité c'est vrai ou dans même association ensemble avec Sterling mais qui ont même impliqué beaucoup plus. Bon, j'ai envie de Sterling est à parler en loin là je suis en santé mais ça me d'après m'a ajouté c'est que il y a un plus gros problème qui vient en termes de pandémie, c'est des désinformation. Parce que des informations, autant que maladie en tout, des informations en tout, il y a un cas sur WhatsApp, par exemple, il y a plus au coronavirus là. Bon, il est plus difficile pour écrire information dans notre tête, mon dieu, que pour avoir information pour, comme si pour le tapouel. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le lit, comme ça, à réseau sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Donc, il mettait comme dans la pratique, et qui peut contrôler. Donc, c'est ça, nous, essayer de faire en santé, c'est, pour des informations qui sont vérifiables, pour des scientifiques, et puis, pour permettre que nous ayons une meilleure information qui est disponible. Donc, en gros, nous, nous devons lutter contre des informations. Daniel Toussaint, ou même qui c'est directeur communication, non structure, ou bien, ou c'est tout responsable affaires publiques, non, l'ADA, et qui genre l'ADA, lui-même, lui impliqué, et dans la question, et lutte contre le coronavirus, là. Bon, certainement, il commet une condition émérisible, il sent que le coronavirus, là, il n'a la musique qui, comme capable de dire, c'est engagement personnel, là, un engagement personnel, pour ou pas prendre, pour ou pas bail. Alors, c'est le même message que nous-mêmes, au niveau des examens d'Haïti, nous essayons de véhiculer le plus possible, c'est-à-dire que chaque citoyens, nous sommes conscients que le geste que l'on fait à l'hiver pour être par et pour moi. Alors, nous axons sur deux bagailles. D'une part, engagement personnel là, et d'autre part, sur l'utilisation de technologies de communication, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, et surtout WhatsApp, pour que nous véhiculions le maximum de messages de sensibilisation possible. Nous créons des divers supports vidéo. Nous diffusons sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens à adopter les gestes qui sont capables de aider nous à combattre contre le COVID-19. En plus, nous préparer comment dire, un projet qui m'a étudié là pour nous, mais qui mesure quand même arriver sur le terrain pour nous arriver le plus proche possible de monde qui est dans la zone à risque. Pour y'a ça, des sous exécutés dans la localité Canaan, et plusieurs zones, dans la commune de Rouquet, côté que nous avons distribué des kits de nous avons distribué des sanitaires, nous avons distribué des sanitaires, des cachemets, etc. Et nous avons tout fait en campagne de sensibilisation, là aussi, pour que nous sensibilisions, parce que côté institué, en quelque sorte, ils ont un pile, et si on pense que c'est une activité économique en temps. Donc, il suffit que le monde parle de la caillou, si que le caillou vient directement à la caillou, il vient de comprendre le danger et la nécessité pour mettre la caillou. Mouline Mackinson, on a fait place avec vous.
probablement qui très bien avec intervenant yo malgré quelques fois moi j'ai un peu perdu mais moi si je parle dans des terres et intervention que intervenant fait à ce que la part des questions sont à risque donc moi je vais regarder dans qui en quel fait traiter questions sont à risque mais parce que dans dernière parole il n'y a pas de réponse. Même si on a une question que moi j'ai me poser non qui se doit des voleurs comment nous est autorité va voir ici c'est une crise qu'on a juste en Haïti et ensuite si tu as une faiblesse dans la question gestion qu'on a vu, c'est qui niveau que nous arrivons ici. Nous avons encore commencé avec toi. Mon ami, non, pas là, c'est moi, on a été par l'autorité, par moi. Alors, c'est que j'ai essayé de prendre toute bagaille en seul coup. Il n'y a pas vraiment de sorte. Bon, l'organe de ça, il n'y a pas vraiment de sorte de plan pour dire, bon, moi, en fait, c'est de A, moi, je vais aller dans Z. Et c'est ça que vous faites dans l'autre pays, tout. Qui ça vous fait, vous êtes connu que, pandémie coronavirus, là, nous avons trois stades là. Et dans chaque stade, ça, vous avez dit, bon, mais qui ça, vous êtes supposé être là. Premier stade là, c'est qui ça? C'est essayer, en mettre vie, empêcher que l'épidémie y entre. Le premier stade là, vous êtes connu, mais tel bagaille qu'on va le faire. C'est l'action qu'on va le poser. Deuxième stade là, la pandémie y est entrée dans le pays où là, vous êtes obligé d'essayer, prenez vos bagages. Et troisième, ça de là, le comme si vous voyez que, bon, le living évolue trop, ou est-ce qu'il y a trop de monde qui est contaminé, là, ça qui va pas le faire, ou aller essayer de mettre les structures sanitaires que vous voyez là, yo, mais au niveau standard, ou au moins, n'importe qui va le monde qui t'a contaminé, yo, même, yo, qu'à bas, yo, soin. Mais, ça, moi, ouais, que l'État lui-même le fait, c'est que, il essaie de prendre un petit parti dans le chat. Là, comme tu vas regarder, en gros, si, comme si toute action que vous posez, ouais, vraiment, pas bien, un cheminement. Donc, en gros, c'est ça. En gros, ça, moi, t'as dit, c'est que, faut qu'au moins, il y ait une sorte de plan. Mais plan, ça, même si on vient sur le papier, mais sur le terrain, tout, faut essayer de mettre en place. Sinon, mais disons, ça va, dépenser des millions de dollars, mais on n'a pas besoin, ouais, gestion de crise-là, il y a abouti vraiment. Donc, en gros, c'est ça. Mm-hmm. Et si on faiblesse, non, qui sont juste sur ça, là, qu'il faut qu'on arrive au matin. Faiblesse, là, c'est qui ça? Mais dis, premièrement, c'est ma communication. Communication, c'est qui ça? Je n'ai pas avec moi, ouais, c'est que, en pile fois, pour communiquer toute bagaille, comme si toute information sur Corona, il y a juste un modèle international, là, il y a juste plaqué, là. Alors que, moi, quoi que nous, tous, panel là, nous connaissons que, et réalité, que nous arrivons en Haïti, elle est différente. Et c'est ça qui fait, on voit que, mounio, y'a aussi une situation hostile à l'État, tout. Y'a dit que, l'État dit, moi, ça, pour m'arrêter là, quand même, mais y'a pas mettez, y'a pas mettez qui aide pour moi, pour m'arrêter là, quand même, y'a pas vraiment, ouais, réalité, moi. Donc, faiblesse, là, moi, quoi que j'étais dans communication, sensibilisation, mounio, vraiment. L'État juste prend information. Que yo connaît qui à l'étranger et yo juste mette là, yo pas vraiment essayer de garder réalité, mon yo, pour yo essayer d'accommoder information, ça, pour yo dit, bon, ça, c'est des informations que nous t'as supposé, ou bien des actes que nous t'as supposé mettre spécifiquement pour Haïti, mais information, ça, c'est pas information, on dépend l'autre, bon, on dépend juste sur MSH pour juste laguer, bah, mon yo, pour ça. Donc, en gros, c'est une grande faiblesse, moi, ouais, dans la gestion de crise, ça, pour l'État. Très bien, Daniel. Il faut dire que faiblesse de la gestion de crise, ça, au niveau de l'État haïtien, on me le dit vraiment, Jean-Mademoiselle Stéphane, je suis là. C'est Sterling. Oui, pardon. Maman Sterling, je dis bon, faiblesse, surtout au niveau de gens que l'État a abordé, ils sont, nous prenons un peu de tout, mais on parle de stratégie cheminement. Alors, c'est une stratégie là, c'est mieux que nous. On va aller voir si on peut continuer la route. Il y a une grande, je vais dire, une stratégie de nous avoir dit, est-ce que notre frontière, oui, on peut que notre population avec tel pays, vu que deux côtés qu'on a rentré dans le pays, deux côtés qu'on a rentré, soit par les États-Unis, soit par la République dominicaine. Est-ce qu'on a fait une frontière ou est-ce qu'on a quitté? Ensuite, lorsque nous refusons des vidéos avec nonchalance, quand c'est suspendre les vols, on n'a pas connu est-ce que vous confinez total ou est-ce que vous confinez partiel. Donc, les gens qui diront ça, confinement. Mais, en sérieux, si nous avons la rue à la, on a pris nos côtés. Pas un confinement réellement vrai. Le seul arrivé, c'est l'église avec l'école. Bah oui, absolument, il y a des qui vraiment fermés, mis à part banque qui oublie à moitié. C'est quelque chose qui vraiment, quand il travaille la fête à moitié, c'est avec nonchalance.
Mais bon, même si on blesse tout, nous sommes constatés que si je veux, bon, l'état des bêtes, nous avons dit qu'on manque de préparation. On manque de préparation, on veut que l'État a préparé le matériel nécessaire pour faire face à COVID-19 là. Nous avons dit que lorsque tous les pays qui ont été préparés, nous avons été carnavalisés à organiser, excusez-moi l'expression. Carnaval, nous avons organisé à l'époque, dans le moment où tout le pays a préparé. C'est-à-dire que nous commençons à voir bien tard, et nous ne pouvons pas nous préparer sur le plan sanitaire, ni préparer tout pour accompagner la population. Si nous avons la population possibilité, pour nous la qualité, pour nous manger, pour les possibilités économiques, au minimum, pour que tout le monde soit là où il y a la machine, sous plastique, etc., ça sera le métier full, etc., pour qu'ils auront tout le monde la vie. C'est-à-dire que l'État est vraiment abordé la situation avec nonchalance, avec hésitation. C'est une hésitation qui, jusqu'à présent, a des problèmes dans les champs que nous avons. Si nous commençons à prendre des cas continus, j'aime bien prendre 14 là, jusqu'à 14, là, nous commençons à prendre 5 minutes, et nous sommes capables de plus que nous sommes Yo bien, toi t'es intervenant? Mon cavalier? Oui. Ok, moi je pense que quand même l'État fait quelques efforts. Ok, il fait quelques efforts dans des micro-personnalités qui connaissent, qui gardent, qui compétent dans différentes cellules que vous créez. Et je pense que dans le dernier communiqué que vous sortez, vous faites ça au capable d'avoir même plus facile l'État l'a payé. Conséquence comme des actions que le déposé avant dans la structure sanitaire noire. Parce que le problème qui est là, Premier train que nous avons déjà dit tout à l'heure, c'est le train de prévention, parce que faut qu'on n'ait pas à traiter ou qu'on n'ait pas de capacité pour jouer aux maladies, ça fait c'est empêcher soit les venir ou bien soit d'empêcher les gens qui contaminent. Nous avons raté prévention parce que. Il faut que nous disions prévention, tu as coûté moins l'argent. Oui, pour prévention. Normalement, prévention coûte moins l'argent que prise en charge. Donc, nous pas fait prévention, les gens sont arrivés, et le arrivé, premier fois arrivé, ce n'est pas même transmission communautaire, c'est des gens qui sont à l'étranger malades, ils viennent. C'est-à-dire tout là, nous avons temps pour tard. Pour moi, comme c'est comme une campagne de sensibilisation, et puis je viens de la campagne de sensibilisation, ça c'est un point faible, parce que je mets des moins compétences, c'est vrai, mais j'ai des brèches qui sont complètement liées, ils n'ont pas rien à dire des pharmacies, des biologies médicales, mais les jeunes en général, parce qu'il n'y a pas un docteur qui parle dans la réunion pour faire sensibilisation, parce que les jeunes qui étaient là, ils travaillent, faire prévention ça, parler de coronavirus là. Bon, l'un des temps qui nous sont très graves, qui c'est la situation communautaire, la jeune des valeurs, ça veut dire n'importe quoi dans la rue potentiellement à être là. On a fait prévention toujours. Okay? Nous avons toujours empêché que les gens ne prennent pas mettre tête à risque. Mais par exemple, il bagage qu'on a contrôlé le vin à stade de la situation communautaire. Ça veut dire c'est préparé le structure sanitaire pour se voir. Bien qu'à, et comment vous faites recherche. Et c'est l'ambre, c'est pour qu'il laisse nous n'ont pas bien assez de matériel, j'ai un camarade de la visite à l'heure pour nous faire prévention. Par exemple, une appli matin à Nouvelle-Lise. N'a pas besoin de 9000 carbone. N'a pire scénario, n'a pas besoin de 9000 carbone. N'a pas besoin de ça. N'a pas besoin de l'État qu'on y a tellement de conséquences comme l'action qui est déposée. C'est plus sur l'hôpital privé ou bien sur le public que les comptes vont gérer Calio. On peut être l'hôpital Nibale qui est semi-public, on peut être l'hôpital Saint-Luc, des hôpitaux comme ça. Or, l'hôpital général qui est censé si gros succès sanitaire, l'État gagne ou bien dans la zone métropolitaine, jusqu'à maintenant, par contre, si ça évolue, par contre, on sait le prix en charge pour le coronavirus. Au premier réflexe, c'est le monde qui n'a pas de moyens ou bien qui n'a pas. Ça connaît tout, à cause du monde qui prévient ce qu'on avait, ça, c'est à l'hôpital général. Donc, vous exposez non seulement docteur l'hôpital général, vous n'avez pas une structure là, mais tout, vous exposez comme des malades qui viennent pour l'autre pathologie. C'est-à-dire, même si tu parles, l'État n'a pas utilisé, là, il n'a pas utilisé l'envoi, même là encore, par exemple, c'est l'autre hôpital qui a parlé. Donc, en gros, même moi, je fais des preuves, on va faire prévention, ça, c'est des actions toujours à faire. Deuxièmement, nous faisons des matériels. Quatrièmement, on peut quand même ajouter, nous allons faire ce mais je ne sais pas combien de monde vraiment quand tu es malade. Lorsqu'on fait 700 tests, quand tu es dans un mois, il y a des pays qui ça pas un jour, frère. Il n'y a pas un jour où j'ai fait 700 tests pour qu'on ait des maladies et des mondes. Je ne sais pas un pourcentage à l'exemple, mais environ un pourcentage de monde qui n'a pas de signes maladies. Ça veut dire que c'est des mondes qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il y a des malades qui sont transmis par des mondes et aux patients qui ont des maladies eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas testés pour qu'on fait rien. Donc, on ne peut pas entrer dans cette prise en charge, on va aller en plus le cas. Mais qu'on y a ce qui s'allait d'après par rapport à vous dans ça. Alors voilà, vraiment féliciter nous pour nous aborder question ça. Là, nous t'abra le garder surtout et Jean l'État a géré crise là, faiblesse l'État ou bien faiblesse société a en général dans résoudre crise ça qui c'est COVID-19. Dans dernier communiqué responsable dans laboratoire national Bay Jodi, docteur Patrick Deli annoncé gagner environ 6000 cas suspects et sous 6000 cas suspects
avec yo depuis les yo a fait surveillance sous maladie, c'est seulement 600 cas qui 600 moun yo testé. Ça veut dire pas gien pile test qui fait. Mais je dis en la même question qui plus intéressé et c'est question ça vraiment qui question capitale là et c'est l'imta vraiment nous répondre vraiment dans 60 secondes parce que vraiment t'a fait nous la guerre. Donc nous même en tant que jeunes, surtout des jeunes universitaires, ça veut dire c'est deux monde surtout et peut-être m'pa konn pour Daniel mais surtout nous deux qui dans université l'état qui dans médecine, c'est des monde l'état a investi dans nous. À part de nous l'état a investi dans nous mais l'aime prend tout jeune yo en général qui gens yo même yo capable contribuer, quel état a fait appel avec yo, quel état a pas fait appel avec yo, qui gens yo même yo ka contribuer pi plus nan résoudre problème nou gen la, nan sensibilisation, nan pote kout men pa yo pour résoudre problème coronavirus lan. Vraiment 60 secondes, n'a commencé avec ou Sterling Vertilus. Moi pense que en tant que jeune universitaire, j'ai pas arrêté notre campus c'est jouer sur prévention et sensibilisation, même si nous ne sommes pas tous les temps, mais jusqu'à présent c'est ça que nous avons fait pour le moment en tant que jeune, de essayer même et j'ai tout dépensé qui était capable d'être là, de sauver la vie au monde. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui pensaient que le coronavirus, il n'y a pas vraiment qu'on est qui s'allie. Il y a des gens qui disent que c'est rad, qui va lier autre. Jusqu'à présent, il y a des gens qui pensaient ça dans la tête. Nous-mêmes, nous connaissons que nous avons une population qui est bon genre, qui a un pile de monde qui a l'alphabet, qui a un pile de monde vraiment. Je pense que le bon bagage dans la tête, il n'y a pas pris. Donc, nous-mêmes, ce qu'on peut faire, c'est essayer de retirer toute l'autre information qui a dans la tête. Et puis essayer. Il n'est de quoi il en est en soi. Donc, on comprend que c'est qui gros bagage que nous-mêmes nous avons fait pour la population jusqu'à présent, que l'État nous demande, nous n'avons pas de aide, que le pas de bonne aide, nous n'avons pas besoin d'aide pour nous partager une information avec une autre personne qui n'a pas vraiment bien information, ça, exactement. En gros, c'est ça, selon moi. Mm-hmm. Daniel Toussaint? Bien souvent, nous comprenons qu'ils sont pas tout travail pour nous faire, pour nous sortir de notre situation. Parce que, même nous, grand tour de 9 étages, même nous, on immeuble de 9 étages, c'est une première pierre qui commence. Donc, première pierre, nous avons commencé à toute prévention. C'est sensibilisation, généralement, de la douleur. C'est-à-dire que, sensibiliser maximum, sensibiliser bon la canon, sensibiliser dans la canon, et surtout, en tant que jeune, même, il y a plus de monde qui pense que maladie, il est tal, pour le monde qui a 50 ans, mais c'est pas vrai. Et même s'il a volé tout, ou bien d'autres, on est marqué de parents, ou bien nous, on est un chrétien, on est un chrétien, la vie. C'est-à-dire, du moment où maladie, il n'en fait rien, tout le monde nous concerne. C'est pour nous faire en sorte que nous, pas nous, pour nous, c'est juste personnel là qui compte d'abord en fait prévention, avec la caille nous qui compte. Donc je dis à parce que nous avons deux bonnes tests positifs, on lui dit que la caméra va faire une bonne. Même quand je suis la caméra, il me reste que nous avons deux bouteilles avec ma chute qui compte une bonne sensation, avec au moins deux caches de bouteilles. Kevin Raphaël? Oui, j'ai commencé avec le jeune dans l'école lui-même parce que j'ai un petit problème qui est un jeune qui a eu assez d'informations. Moi, je suis un jeune universitaire quand même, à partir de formation, pour nous compléter ton formation, pour nous t'agir. Avant que même, il commence cette sensibilisation, parce que, on sensibilisation qui, à force des formations qui est honnée, bon, nous fait plus mal que bien. Et puis, jeune, là, lui-même, déjà, pour assurer le pays, il y a une bonne formation. Et puis, deuxièmement, tout, ça, c'est son bail qui, tout jeune, il commence la carrière. Depuis la carrière, à parents, proches, ou bien, des gens qui ont contacté, ou pas, ou des informations. Il y a plus que, ouais, par exemple, on supporte nos radios, ou bien, surtout par l'État contestant, on voit qu'il n'a pas l'eau, mais l'État qui paye, on initiative, ou bien, on dit, elle a déjà commencé là, et des prochaines qui paye, mais elle, son niveau macro, c'est quand même un cas de pauvre, qui côté qui rassemble les mounes, par exemple, il y a l'église, ou bien, il y a différents autres côtés encore qu'une pône qui rassemble les mounes, à l'autre côté, qu'une pône au moins, on a toujours 50 mounes, 100 mounes qui là, parce que chaque monde a occupé l'information, voilà, qu'il y a même à casse. Donc, au départ, pour moi, c'est bien traiter l'information, bien traiter l'information après, et puis commencer la caillou, commencer sous cassio, au fur et à mesure, on peut faire la rivée. Mouline? Bon, mesdames, messieurs, nous vraiment arrivés dans la fin de l'émission, donc, les avoirs passés dans la guerre, mais nos conseillers qui sont venus nous poser avec Panelistio, c'est qui message que nous gagnons pour la population, qui message nous gagnons pour l'État, donc, qui message nous gagnons pour l'État, monsieur Lune? Bon, messagement en lui-même, il y a très simple. Vraiment que, nous connaissons nos devises noires, c'est qui s'agit de l'union fait la force.
Donc, c'est ça pour nous faire unir nous pendant un temps de pandémie. Si nous, chacun dit, bon, moi-même, moi, on dit ça, moi-même, on dit ça, moi-même, si ça me passe à tout bon, oui, population, puis que l'État lui-même pas fait confiance, l'État lui-même pas vraiment si bon garder que sa population a besoin avant que d'y agir, nous, on a toujours été dans les mêmes lois. Donc, ça pour nous faire, c'est, yon comprendre l'autre, yon fait l'autre confiance, et puis comprendre que, et paix de Damoclès, ça qui se tête noire, sinon pas, mais c'est tête noire ensemble, nous tout qu'à couler avec toi. Donc, c'est ça, moi, je voulais que tout le monde mette de moi-même, de, comme conseil de moi-même. Très bien, et n'a pas tout profité pour le témoignage, c'est une, pendant qu'il a fait, il faut respecter 1m50 ou 2m par rapport à des gens qui ont passé. Qui m'a un message pour la jeunesse? Un message pour le pays en général, son message d'histoire. C'est-à-dire que c'est pas encore l'heure de désespérer. C'est pas l'heure de désespérer parce que nous sommes capables d'éviter le pire jusqu'à présent. Il suffit que nous adoptions les mesures, il suffit que nous adoptions bon comportement. Il est encore temps pour nous croire qu'on a vu ça dans le pays. Il est encore temps pour que nous évitions en pile mort, pour nous éviter maman, nos frères, nos soeurs, nos pays. Non, bah, ma, d'ici là, c'est pour nous unir, c'est pour nous surtout sensibiliser et respecter entre nous, réveiller la gagne au maximum, laver mes noms, respecter l'histoire sociale du mètre là, et surtout chaque tigère compte. C'est bien, et toi, t'es intervenant? Bon, oui, même message que nous n'y a, c'est que même si notre temps, ça, l'État souffre en mode de pétabilité, coronavirus, là, c'est, on peut des millions, pas grand-chose d'intérêt, non. Vraiment, sinon, c'est une mesure que moi, il n'a appliqué. C'est vraiment sur mesure que vous payez, parce que il y a des pays qui marchent, ok? C'est une distanciation sociale, laver mes noms, ici, c'est une sorte de cache-nez. Donc, c'est une sur mesure, ça, je ne pas une maladie, on pas frapper, mais c'est pas la même fréquence-là. Donc, c'est vraiment, dans la information que nous connaissons, qui fiable, et puis les différentes mesures que l'État paye, ici, au maximum, c'est bien. On pense qu'il a passé. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons dans la fin émission pour aujourd'hui. Hein. Nous sommes contents de gagner ensemble avec nous, panélistes. Sterling, vraiment, dans 30 secondes, c'est mon dernier mot et nous capables de lancer comme message qui ça nous capable de dire en termes de conclusion. En termes de conclusion, ça vous le dit, c'est tout le monde était là, ça y est, je suis conseil d'État. Et les gens, c'est ce que je dis là, tout, c'est l'union. Et bon, ils ont fait l'autre confiance et puis après ça, on a passé. N'a pas gommé contre le coronavirus là, parce que c'est pas lui-même qui peut battre nous, c'est nous-mêmes qui peut combattre lui, et faut que la victoire. Daniel Toussaint? Pour dire que Haïtien, prouvez, ensemble, nous sommes capables de croire le coronavirus là dans le pays. Kevin? Toujours la même idée, si nous tous mettons ensemble, nous mesurons ensemble, pas de raison pour qu'il frappe nous plus mal par son autre côté. Si nous tous mettons ensemble, et puis après, il va passer ta maladie dans le genre de tout là. Voilà, merci parce que nous t'es décidé de répondre question panel virtuel pour aujourd'hui. Hein. Faut que nous dit panel virtuel les mêmes surtout. Pendant un moment, ça y est, pas suspendre, sensibiliser tout. Et c'est avec vous, là, nous dit avec vous, c'est à partir de ça qu'on fait. C'est qu'ils ont même chaque jour contribué plus pour capable rendre mon yo informé, informé yo. Et c'est comme ça vraiment parce que quelque part, aujourd'hui, hein, on parlait de 5 morts, mais c'est 5 haïtiens. Si yo parle de plus, c'est à plus haïtien. Et, moun kap moun yo, par contre, qui assuré, ou par contre, qui sa yo capable bien dans le pays, qui sa yo te capable vigner. Du coup, c'est tout moun qui peut engager yo, puisque personne moun pas épanier, tout moun doit engager yo. Moline, c'est ton plaisir pour nous te gagner un panel ça, pour aujourd'hui, hein. Juste avant, nous aller vraiment, et qui ça nous capable dire comme conclusion, Moline? Déjà, un petit merci avec chaque intervenant qui nous a gagné ce panel virtuel, et nous a son plaisir pour nous recevoir, et nous sommes que c'est pas plus d'un 10 fois. Donc, son plaisir, au revoir, ciao, à la prochaine. Voilà, merci tout le monde. N'a pas rappelé nous te gagner avec nous sous panel virtuel aujourd'hui, hein. Kevin Raphaël, qui lui-même c'est étudiant troisième année dans médecine, dans faculté médecine et de pharmacie dans université l'État, lui c'est tout, rédacteur dans une structure qui relait en santé. Faut nous dire Kevin Raphaël, lui-même tout, lui c'est coordonnateur du comité de recherche de l'association haïtienne des étudiants en médecine et nous te gagner ensemble avec nous tous, Sterling Vertilus, qui lui-même c'est étudiante dans troisième année dans université l'État, FMP, lycée rédactrice à Belle Idée Magazine, lycée rédactrice et lycée responsable ou encore PDG en santé info
et Sterling Vertilus, lycée tout yon entrepreneur. Nous te gagné ensemble avec nous Daniel Toussaint qui c'est directeur communication et des relations publiques de l'ADA. Vraiment merci tout le monde parce que nous t'ai décidé de venir parler aujourd'hui. À la prochaine, non pas c'est Jocelyn Pierre.